la salle de billard chez Xi'an, qui orne l'une des moindres ruelles au cœur du quartier du parc à bestiaux de Chicago, n'est pas un endroit chic. L'air, chargé de mille odeurs telles que Coleridge a pu en trouver à Cologne, y connaît trop rarement les rayons purifiants du soleil et doit disputer la place aux âcres fumées d'innombrables cigares et cigarettes bon marché collés aux lèvres grossières d'innombrables animaux humains qui hantent ces lieux jour et nuit. Mais la popularité du Xi'an se reste intacte. Et à cela, il y a une raison, évidente, pour qui prendra la peine d'analyser les puanteurs mêlées qui dominent ici. Par-dessus et au-delà des fumées de l'étouffoir nauséeux, monte un arôme autrefois familier à travers tout le pays, mais à présent heureusement exilé dans les bas quartiers de la vie, par l'édit d'un gouverneur bienfaisant, l'arôme du fort du détestable whisky, précieux fruit défendu, en effet, en ces temps de grâce 1950. Le Xi'an, c'est le centre reconnu du trafic souterrain de l'alcool et des stupéfiants à Chicago. Et comme tel, il garde une certaine dignité qui s'étend même aux habitués débraillés de l'endroit. Mais récemment encore, il y avait quelqu'un qui était exclu de cette dignité. Quelqu'un qui partageait la misère et la crasse, mais non l'importance du Xi'an. On l'appelait Old Bugs, et c'était l'individu le plus louche de ce louche milieu. Ce qu'il avait pu être autrefois excitait beaucoup de curiosité, car son langage et sa façon de parler, quand il atteignait un certain degré d'ébriété, avaient de quoi susciter l'étonnement, mais ce qu'il l'était posait moins de problèmes, car Old Bugs incarnait au plus haut degré l'espèce pathétique de l'épave ou du clochard. D'où venait-il, nul n'aurait su le dire. Une nuit, il avait fait violemment irruption au Xi'an, l'écume à la bouche, réclamant à grands cris du whisky et du haschich. Et, ayant été ravitaillé contre la promesse d'effectuer de menus travaux, il était toujours resté là depuis, à balayer les planchers, nettoyer les crachoirs et les verres, se chargeant de quantités de tâches serviles en échange de la boisson et des drogues qui lui étaient nécessaires pour se garder en vie et sain d'esprit. Il parlait peu, et généralement dans le jargon ordinaire de la pègre. Mais de temps à autre, quand une dose exceptionnellement généreuse de mauvais whisky l'avait échauffé, il éclatait en kyrielles de polysyllabes incompréhensibles, de fragments de prose et de vers sonores, d'où certains habitués concluaient qu'il avait connu des jours meilleurs. Un client fidèle, qui se cachait à la suite de détournements de fonds, en vint à converser régulièrement avec lui, et d'après le ton de ses propos, avança l'idée qu'il avait été écrivain ou professeur en son temps. Mais le seul témoignage tangible du passé de Old Bugs était une photographie fanée qu'il portait toujours sur lui, celle d'une jeune femme aux traits nobles et beaux. Il la tirait parfois de sa poche déchirée, la sortait avec précaution de son enveloppe de papier de soie, et la contemplait pendant des heures avec une expression d'ineffable nostalgie. Ce n'était pas le portrait de quelqu'un qu'un individu du milieu eût pu connaître, mais une dame de qualité et d'éducation raffinée, vêtue d'une toilette qui datait de 30 ans. Old Bugs lui-même semblait appartenir au passé, car ses vêtements indéfinissables portaient toutes les marques d'une autre époque. C'était un homme d'une très haute taille, probablement plus de 6 pieds, bien que ses épaules voûtées l'aient démenti quelquefois. Ses cheveux, d'un blanc sale et tombant par plaques, n'étaient jamais peignés. Et sur son visage maigre poussait une barbe miteuse de plusieurs jours, qui paraissait toujours hérissée, jamais rasée, et cependant jamais assez longue pour lui faire des favoris respectables. Ses traits, peut-être nobles autrefois, portaient les marques effroyables d'une terrible débauche. Pendant un temps, sans doute à la maturité, il avait manifestement été très gros, mais il était devenu affreusement maigre, une chair cramoisie pendant en poche flasque sous ses yeux chassieux et sur ses joues. Pour tout dire, Old Bugs n'était pas agréable à regarder. Son caractère était aussi bizarre que son aspect. Habituellement, c'était le type même de l'épave, prêt à tout pour un nickel, pour une dose de whisky ou de haschich,
mais à de rares intervalles il révélait les traits qui lui avaient valu son nom. Alors il essayait de se redresser, et une sorte de feu se glissait dans ses yeux noyés. Son attitude prenait une grâce involontaire et même de la dignité, et les êtres abrutis qui l'entouraient éprouvaient quelque chose comme une supériorité, quelque chose qui les faisait moins promptes à dispenser les perpétuels coups de pied et claques au pauvre homme de peine, leur victime. Il faisait preuve à ces moments-là d'un humour sardonique, en remarque que les gens du Xi'an se jugeaient idiotes et absurdes. Mais le charme se dissipait bientôt, et Old Bugs, une fois de plus, reprenait son éternel récurage de parquet et rinçage de crachoir. Il y avait pourtant une circonstance où il cessait d'être dans la maison l'esclave idéal. C'était lorsque des jeunes gens venaient boire leur premier verre. Le vieil homme alors se relevait du plancher, en proie à la colère et à l'exaltation, murmurant des menaces et des mises en garde, et cherchant à dissuader les novices de s'embarquer dans ce voyage à la découverte de « la vie comme elle est ». Il bafouillait et fumait de rage, éclatant en avertissements polysyllabiques et en jurons étranges, animé d'une véhémence effroyable qui donnait le frisson dans la salle bondée, à plus d'un esprit torturé par la drogue. Mais au bout d'un moment, son cerveau embrumé d'alcool s'écartait du sujet, et avec un sourire idiot, il repartait une fois de plus à son balai et son torchon. Je doute que beaucoup d'habitués du Xi'an s'oublient jamais le jour où y vint le jeune Alfred Trevor. C'était une vraie trouvaille, un jeune riche et fougueux qui irait jusqu'au bout de tout ce qu'il entreprendrait. Tel fut du moins le verdict de Pete Schultz, le commissionnaire du Xi'an, qui avait rencontré par hasard le jeune homme à Lawrence College, dans la petite ville d'Appleton, Wisconsin. Trevor était le fils de gens connus à Appleton. Son père, Carl Trevor, était attorney et citoyen de marque, tandis que sa mère s'était faite une réputation enviable de poétesse sous son nom de jeune fille, Eleanor Wing. Alfred était lui-même cultivé et brillant poète, bien qu'affligé d'une certaine légèreté puérile qui en faisait une proie rêvée pour le commissionnaire du Xi'an. Il était blond, beau et gâté. Vif et impatient de goûter les différentes formes de débauche qu'il connaissait par ses lectures ou pour en avoir entendu parler. À Lawrence College, il s'était fait remarquer dans la confrérie burlesque du Tapa-Tapa-Keg, où il était le plus déchaîné et le plus joyeux des jeunes fêtards joyeuses et déchaînées. Mais cette frivolité collégienne, immature, ne le satisfaisait pas. Il connaissait par les livres des vices plus profonds et mourait d'envie maintenant d'en faire lui-même l'expérience. Peut-être sa tendance à l'extravagance avait-elle été en quelque sorte stimulée par la contrainte à laquelle il était soumis chez lui. Miss Trevor avait en effet une raison particulière d'élever son fils unique avec une sévérité rigoureuse. Elle gardait de sa propre jeunesse une impression profonde et ineffaçable de l'horreur de la débauche, dont celui à qui elle avait été un temps fiancée lui avait donné l'exemple. Le jeune Galpin, le fiancé en question, avait été l'un des fils les plus remarquables d'Appleton. S'étant fait connaître tout enfant par ses merveilleux dons, il avait acquis une grande réputation à l'université du Wisconsin et était rentré, à 23 ans, à Appleton pour occuper un poste de professeur à Lawrence College et glisser un diamant au doigt de la fille la plus belle et la plus brillante du pays. Tout alla bien pendant une saison, puis sans prévenir, la tempête éclata. De mauvaises habitudes, depuis un premier verre bu des années plus tôt dans la solitude des bois, se manifestèrent chez le jeune professeur. Il n'échappa que par une prompte démission à de fâcheuses poursuites pour avoir compromis les mœurs et la moralité des élèves confiés à sa garde. Ses fiançailles rompues, Galpin partit pour l'Est commencer une nouvelle vie. Mais avant longtemps, on apprit à Appleton son renvoi honteux de l'université de New York, où il avait obtenu un poste d'assistant d'anglais. Galpin, désormais, consacra son temps à la bibliothèque et à l'estrade du conférencier, préparant des volumes et des études sur divers sujets ayant trait aux belles lettres, et témoignant toujours d'un talent si remarquable qu'il semblait que le public dût quelque jour lui pardonner ses erreurs passées.
ses conférences passionnées, apologies de Villon, Poe, Verlaine et Oscar Wilde, le concernaient autant lui-même, et durant le bref été indien de sa gloire, il fut question de nouvelles fiançailles dans certaines familles cultivées de Park Avenue. Mais c'est alors que le coup tomba. Une dernière disgrâce, en comparaison de laquelle les autres n'avaient rien été, ruina les illusions de ceux qui avaient cru à la régénération de Galpin. Le jeune homme abandonna son nom et disparut aux yeux de tous. La rumeur, ici et là, l'associait à un certain consul Hastings, dont les travaux pour la scène et les compagnies cinématographiques attiraient quelque attention par l'étendue et la profondeur de leur érudition. Mais Hastings s'éclipsa bientôt de la vie publique, et Galpin ne fut plus qu'un nom invoqué par les parents sur le ton de la mise en garde. Eleanor Wing célébra peu après son mariage avec Carl Trevor, jeune avocat d'avenir, et ne se rappela son ancien admirateur que pour imposer le prénom de son fils unique et l'éducation morale de ce jeune homme beau et impétueux. À présent, en dépit de tous les conseils, Alfred Trevor était au Sheehan's, sur le point d'y boire son premier verre. Patron, cria Schultz, entrant avec sa jeune victime dans la salle aux senteurs ignobles. Venez faire la connaissance de mon ami, Al Trevor, un des plus chouettes petits gars de Lawrence, qui est Appleton, vice, vous savez. Un mec bien en plus. Son père, c'est un grand avocat d'affaires dans son patelin, et puis sa mère est une espèce de génie en écrit. Il veut voir la vie comme elle est, savoir à quoi ressemble le vrai goût du raid. Alors oubliez pas que c'est mon copain, et traitez-le comme il faut. Au moment où furent prononcés les noms de Trevor, Lawrence, Appleton, les désœuvrés semblèrent pressentir quelque chose d'anormal. Peut-être était-ce seulement un son qui évoquait le cliquetis des boules sur le billard ou celui des verres qu'on apportait des régions secrètes de l'arrière, rien que cela peut-être, plus un bruissement étrange des tentures sales de l'unique fenêtre enfumée. Mais beaucoup crurent que quelqu'un dans la pièce avait grincé des dents ou poussé un très gros soupir. « Content de vous voir, Sheehan, » dit Trevor d'un ton tranquille et bien élevé. « C'est ma première expérience dans un endroit comme celui-ci, mais j'apprends la vie et je ne veux manquer aucune expérience. Il y a une poésie là-dedans, vous savez, ou peut-être ne le savez-vous pas, mais ça ne fait rien. »« Jeune homme, » répondit le propriétaire, « vous êtes tombé au bon endroit pour connaître la vie. On a de tout ici, la belle vie et le bon temps. » Ce foutu gouvernement peut bien essayer de rendre les gens bons s'il veut, mais il peut pas empêcher un gars de faire la vie quand ça le prend. Quoi que vous voulez, mon gars, du raid, de la coke ou autre sorte de dope, vous pouvez rien demander qu'on n'a pas. Les habitués disent que c'est à ce moment-là qu'ils remarquèrent l'arrêt des coups réguliers et monotones du balai. « Je veux du whisky, du bon vieux rye !» s'écria Trevor avec enthousiasme. « Je vous dirais que j'en ai vraiment assez de l'eau après avoir lu le récit des joyeuses beuveries que s'offraient les camarades dans les temps anciens. Je ne peux pas lire un anacréontique sans en avoir l'eau à la bouche, et ce qu'il faut à ma bouche, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que l'eau. »« Anacréontique, qu'est-ce que c'est que ce sacré truc-là ?» Plusieurs curieux levèrent les yeux tandis que le jeune homme allait un peu au-delà de leurs compétences. Mais le banqueroutier leur expliqua qu'Anacréon était un joyeux luron,
qui vivait voilà très longtemps et qui avait écrit combien il s'était amusé quand le monde entier ressemblait aux Chians. « Voyons, Trevor, » continua le banqueroutier, « est-ce que Schultz n'a pas dit que votre mère était aussi une femme de lettres ?»« Bon Dieu, oui, » répondit Trevor, « mais ça n'a rien à voir avec le vieux Théosien. C'est une de ces ennuyeuses rabâcheuses de morale qui essayent de bannir toute joie de la vie. Le genre à l'eau de rose. Vous n'en avez jamais entendu parler. Elle écrit sous son nom de jeune fille, Eleanor Wing. » C'est là que Oldbugs arrêta son balai. « Eh bien, voilà votre affaire !» annonça jovialement Sheehan, tandis qu'on roulait dans la pièce un plateau de bouteilles et de verres. « Du bon vieux rye, le plus incendiaire que vous pouvez dégoter dans Touchy !» Les yeux du jeune homme brillèrent et ses narines palpitèrent aux émanations du liquide brunâtre que lui versait un domestique. Il lui répugnait horriblement et révoltait toute sa délicatesse native. Mais toujours décidé à goûter la vie à fond, il fit bonne contenance. Avant que sa résolution ait été mise à l'épreuve, l'imprévisible survint. Oldbugs, surgissant de la position accroupie où il s'était tenu jusque-là, bondit sur le jeune homme et lui fit sauter des mains le verre déjà levé, attaquant presque simultanément avec son balai le plateau de bouteilles et de verres et en dispersant le contenu sur le plancher dans un désordre de liquide odoriférant, de bouteilles et de verres brisés. Beaucoup d'hommes, ou ce qui avait été des hommes, se jetant à terre, lapèrent les flaques d'alcool répandues, mais la plupart demeurèrent impassibles, observant la conduite sans précédent de l'épave asservie du bar. Oldbug se redressa devant Trevor, stupéfait, et d'une voix douce et cultivée lui dit « Ne faites pas cela. J'étais comme vous autrefois et je l'ai fait. À présent, je suis ce que vous voyez. » « De quoi te mêles-tu, sacré vieil abruti ?» cria Trevor. « À quoi penses-tu de venir déranger un gentleman dans ses plaisirs ?» Sheehan, revenant enfin de sa stupeur, vint poser une lourde main sur l'épaule de la vieille épave. « C'est la fin pour toi, vieux hibou !» s'écria-t-il avec emportement. « Quand un monsieur veut boire un verre ici, bon Dieu, il le fera, sans que tu t'en mêles. Maintenant, fous le camp, avant que je te botte le cul !» Mais Sheehan avait compté sans la connaissance scientifique de la psychologie pathologique et les effets de l'excitation nerveuse. Oldbugs, empoignant son balai d'une main ferme, le brandit comme le javelot d'un hoplite macédonien et eut au fait de balayer un espace considérable autour de lui, tout en hurlant divers fragments incohérents de citations, parmi lesquels revenaient surtout « Les fils de Bélial, gonflés d'insolence et de vin !» La salle tournait au chaos, les gens poussaient des cris et hurlaient de peur devant l'être menaçant qu'ils avaient réveillé. Trevor paraissait interdit dans cette confusion et reculait contre le mur à mesure que la violence montait. « Il ne boira pas ! Il ne boira pas !» Ainsi rugit Oldbugs, qui semblait avoir épuisé ou dépassé les citations. Des agents, attirés par le bruit, parurent à la porte, mais ils ne firent d'abord pas un geste pour intervenir. Trevor, maintenant complètement terrorisé et guéri à jamais de son désir de découvrir la vie par les chemins du vice, se rapprocha peu à peu des nouveaux venus en uniforme bleu. S'il pouvait s'échapper, se disait-il, et attraper un train pour Appleton, il considérerait ses études de débauche comme tout à fait achevées. Puis soudain, Oldbug cessa de brandir son javelot et s'immobilisa. Se redressant, plus droit, que ne l'avait jamais vu aucun des hôtes de ces lieux. « Ave, César, morituros te saluto !» hurla-t-il, et sur le plancher qui puait le whisky, il s'écroula pour ne plus se relever. Ce qui suivit, le jeune Trevor ne l'oubliera jamais. L'image est floue mais indéracinable. Les agents se frayèrent un chemin à travers la foule, interrogeant minutieusement chacun au sujet de l'incident et du mort sur le parquet. Sheehan en particulier fut pressé de questions, sans pourtant révéler aucune information utile concernant Oldbugs. Alors le banqueroutier, se rappelant la photographie, suggéra qu'on la regarde et qu'on la dépose pour identification à l'administration centrale de la police. Un policier se pencha à contre-cœur sur la silhouette répugnante aux yeux vitreux, et trouva le petit carton enveloppé de papier de soie qu'il fit passer parmi les autres. « Une poulette ?
s'écria un ivrogne, avec un clin d'œil dès qu'il aperçut le beau visage. Mais ceux qui étaient censés, au contraire, regardèrent avec respect et une certaine confusion les traits délicats et purs. Nul ne semblait capable d'identifier la personne, et tous s'étonnaient que l'épave dégradée par la drogue pût posséder un pareil portrait, c'est-à-dire tous, sauf le banqueroutier, qui pendant ce temps considérait avec quelque malaise les uniformes importuns. Il avait vu, lui, un peu plus profond sous le masque de totale déchéance d'Old Bugs. On passa alors la photo à Trevor, et un revirement se fit chez le jeune homme. Après le premier sursaut, il remit le papier de soie autour du portrait, comme pour le protéger de cet endroit ignoble. Puis il observa longuement et d'un regard pénétrant la forme étendue sur le sol, notant sa haute taille et l'allure aristocratique des traits qui se faisaient jour maintenant que la misérable flamme de vie s'était éteinte. « Non, » dit-il précipitamment, comme la question lui était posée, « il ne connaissait pas l'original de la photo. »« Elle était si ancienne, » ajouta-t-il, « que personne à présent ne pourrait sans doute l'identifier. » Mais Alfred Trevor ne disait pas la vérité, ainsi que beaucoup le devinèrent, quand il offrit de se charger du corps et de son inhumation à Appleton. Chez lui, au-dessus de la cheminée de la bibliothèque, était suspendue la réplique exacte de cette photographie, et toute sa vie, il avait connu et aimé son original. Car les doux et nobles traits étaient ceux de sa propre mère.